Et salut, donc nous voici dans le parc Gyoen, un des nombreux parcs de Tokyo. Bon, ici on peut observer le phénomène Sakura, donc c'est les cerisiers en fleurs. Le jardin impérial Shinjuku Gyoen est un parc dans les arrondissements de Shinjuku et de Shibuya à Tokyo. Il a été une résidence de la famille Naito à la fin du 19e siècle, avant de devenir un jardin sous la gestion de l'agence impériale du Japon. C'est maintenant un parc sous la juridiction du ministère national de l'environnement. Avec une superficie de 58,3 hectares et une circonférence de 3,5 km, le parc compte plus de 20 000 arbres, incluant approximativement 1500 cerisiers qui fleurissent à différentes périodes selon l'espèce. Allez, on se trouve à Shibuya, on va aller voir la fameuse statue du chien très connue ici au Japon. Bon, je me rappelle plus le nom, mais je l'écris en bas ici, voilà, ça sera plus simple. Et ensuite, on va aller un petit peu visiter le quartier de Shibuya, qui est un quartier très animé, et on va voir le fameux carrefour, le plus grand carrefour du monde. Allez, on s'apprête à traverser. Le fameux carrefour. Voilà, il n'y a pas plus grand, c'est plus grand, je ne sais pas quoi te dire. Le carrefour de Shibuya, le plus grand passage piéton du monde. Chaque fois que le feu passe au vert pour les piétons, c'est un raz-de-marée humain qui s'empare de la chaussée. Plus de 2500 personnes traversent de chaque côté en même temps. Il n'y a qu'une seule chose à faire, avancer et garder le cap. Une grand-messe orchestrée avec la plus grande précision, sans fausses notes ni aucune bousculade. Stop ! Il s'est passé quelque chose d'assez rare à Tokyo, et même au Japon en général. Donc je t'ai balancé un teaser juste avant la diffusion des épisodes. Peut-être que tu as vu ce teaser, ou alors tu ne l'as pas vu. Mais si tu l'as vu, tu n'as probablement pas dû voir les images subliminales qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est là qu'on va analyser tout ça ensemble. Magnéto Serge. Et voilà, revenons sur ce carrefour de Shibuya, donc le plus grand carrefour piéton du monde, hein. Il y a entre 1500 et 2000 personnes qui traversent, donc beaucoup de monde. Donc je voulais te montrer un petit truc. On va mettre lecture, voilà. Hop, lecture. Alors déjà, premièrement, c'est pas ce que je voulais te montrer à la base. Voilà, donc ici, on constate que Mario Bros et ses amis traversent le carrefour de Shibuya, donc à Tokyo. Mais c'est normal, il ne faut absolument pas te poser de questions. Nous sommes au Japon, nous sommes à Tokyo, c'est normal. Donc ça, c'est une première chose. La seconde, voilà, donc là, on va laisser passer. Donc premier passage, hop, il va y avoir un second passage. Et là, hop, attention. Voilà, donc là, on a un véhicule ici qui traverse donc le passage au moment où les gens traversent, justement. Donc, il force le passage, en fait, hein, à grands coups de klaxon. Moi, j'étais attablé au Starbucks en compagnie de Léa et on a assisté à ça.
Donc en fait, ce véhicule donc, est clairement passé au feu rouge. Donc déjà au Japon, à Tokyo, passer au feu rouge, je pense que c'est quelque chose d'assez, on va dire, notable, puisque les Japonais sont très respectueux des lois et des règlements. Donc voilà, donc c'est extrêmement dangereux de passer à un feu rouge sur le carrefour le plus emprunté du monde, qui plus est. On va continuer la vidéo, donc je vais mettre lecture. Voilà, donc qu'est-ce qu'on constate tout de suite après ? Ce véhicule de police qui donc se met aux fesses donc du véhicule qui vient de passer le passage piéton. Donc là on a assisté tout simplement à un refus d'obtempérer ou à une course poursuite, hein, donc tu appelles ça comme tu veux, mais c'est quand même assez notable dans un pays comme le Japon où les règles, les lois et les règlements sont assez respectés et où la délinquance est quasiment presque inexistante, hein, sans tomber dans l'angélisme le plus absolu. Bon, elle existe un petit peu, mais elle est quand même tout à fait anecdotique. Donc c'est une scène assez rare pour ce magnifique pays qui est le Japon, et nous y avons assisté. Mon regret, c'est de ne pas avoir capté cette scène par le biais d'une vidéo normale. C'est un timelapse que j'ai fait. Donc un timelapse, c'est une série de photos avec un intervalle entre chaque photo et qui, ramené à 25 images par seconde, donne un accéléré. Donc là, on n'a pas toutes les images disponibles pour suivre avec fluidité la scène, mais je suis quand même ravi d'avoir pu capter cette scène et de pouvoir vous la restituer. Voilà, merci d'avoir suivi. Et bien, ce que je te propose maintenant, c'est de continuer. Allez, c'est parti, la suite. Donc voilà la statue du chien le plus célèbre du Japon. Tout petit, c'est pas grand chose, mais alors c'est un succès, mon gars. Truc de ouf. Ashiko est un chien très célèbre au Japon qui a vécu entre 1923 et 1925. Il est réputé pour avoir attendu son maître décédé à la gare de Shibuya tous les jours au même endroit pendant près de 10 ans. Le quartier bouillonnant de Shibuya. De la lumière partout à la nuit tombée, une activité hors norme, les sons omniprésents des publicités émanant des écrans géants qui tapissent les buildings. Il ne m'en fallait pas plus pour me croire dans un film de Ridley Scott. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous me soutenez dans mon projet de développement à travers les réseaux, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à liker ou à laisser un commentaire. Vos réactions sont essentielles aux algorithmes qui prennent ensuite des décisions. Merci pour votre aide.